Pascal Louise prépare l'accrochage de l'artiste Casa à la Petite Boucherie. Elle fait partie du collectif qui a créé cet espace en mars dernier. La Petite Boucherie, c'est d'abord une rencontre entre 5 artistes qui ont eu comme objectif de créer un lieu de promotion artistique et qui soit également un lieu d'échange et qui nous pousse à créer et un peu à sortir de nos zones de confort respectives. Et un projet qui pour nous était une note encore plus citoyenne, c'était de consacrer 10% des recettes de l'association pour offrir des ateliers à des personnes en situation de handicap, des ateliers de modelage, des ateliers de peinture. De l'humanité, il en est question dans les œuvres de Casa. L'harmonie y est humaine. C'est la raison pour laquelle il cultive l'imperfection qui, pour lui, est de l'ordre du divin. Il y a une notion d'âme dans ces masques. Là, je travaille sur un masque, la série Human Mask, qui a la particularité d'avoir une couronne par rapport aux autres, la couronne symbolisant le pouvoir. Et donc, je l'ai appelé Vanitas, c'est aussi le symbole de la vanité chez les hommes. Le Human Mask me sert à parler de l'homme en général. L'homme, c'est aussi la raison, c'est aussi la passion qui viennent en contradiction. C'est l'ombre, c'est la lumière. Et tous ces éléments symboliques, on les retrouve dans certains de mes tableaux où j'ai symbolisé la rectitude, la raison, la logique par des traits très géométriques, des traits d'architecture qui viennent soutenir le dessin. Et les émotions, les passions par les éclaboussures qui débordent et qui environnent le tableau. Casa travaille sur plusieurs séries. Certains de ses masques sont pleins d'énergie, ils sont hilars. D'autres expriment le doute. Le doute est la source de toute création. Et je trouve ça très intéressant parce que, effectivement, les gens qui sont pleins d'assurance, qui savent tout, etc., me perturbent un peu. Et effectivement, c'est vrai que le doute, la recherche, c'est finalement ce qui nous fait avancer. Et parfois, j'accompagne donc mes tableaux d'un petit mot. Et là, c'est « Sans le doute, il n'y aurait pas de création ». Et j'ai continué, enfin, je crois. Casa vous donne rendez-vous à la galerie d'art touloise La Petite Boucherie avant le 26 octobre.